C'est un très bel exemple de ce que nous avons voulu bâtir autour du plan sobriété, c'est-à-dire engager secteur par secteur les grands acteurs, ceux qui peuvent être les locomotives de leur secteur, pour définir des bonnes pratiques de sobriété et baisser leur consommation d'énergie. Et sur ce stade de l'Olympique Lyonnais, on le voit, on baisse la consommation d'énergie massivement. On le fait sur l'entretien de la pelouse, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais c'est un des premiers postes de consommation d'énergie, l'entretien de la pelouse, parce qu'il faut la chauffer, il faut l'entretenir. Et donc, il y a eu des mesures qui ont été prises et qui permettent de baisser drastiquement la consommation d'énergie. C'est évidemment l'éclairage, on y pense tous, même si ce n'est pas forcément un des postes les plus importants en consommation d'énergie, mais ne pas allumer des heures avant les matchs, ne pas éteindre des heures après le match, mais faire en sorte de piloter cet éclairage au plus près des besoins de sécurité ou d'événementiel des matchs. Et puis, bien sûr, parce que c'est un espace de vie, comment on pilote la gestion technique des bâtiments, le chauffage, la lumière, l'éclairage dans le bâtiment lui-même. Et au fond, on voit que ça marche. Aujourd'hui, l'ensemble des Français, en 3 mois, ont baissé leur consommation d'énergie à peu près de plus de 10% si on cumule électricité et gaz. Et ça, c'est l'effet de cette mobilisation des entreprises, mobilisation des administrations, mobilisation des collectivités locales. Et puis, c'est aussi la mobilisation des Français, et je veux les remercier pour ça. Ce stade est en train de devenir, avec l'ensemble de ses installations, l'ensemble du pôle sportif, le premier lieu au monde de production d'énergie photovoltaïque. On le voit avec les ombrières sur parking, il y a également de la production photovoltaïque sur toiture. C'est ce que je porte avec le projet de loi énergie renouvelable. Nous avons un projet de loi qui vise à accélérer le développement des énergies renouvelables. Ce développement va nous permettre de produire de l'électricité et de la chaleur, on a le cas ici avec de la géothermie renouvelable dans les années qui viennent, ce qui va nous permettre de nous passer des énergies fossiles et notamment du gaz russe. Et on le voit, en développement sur des toitures, sur des parkings, eh bien, on peut couvrir largement les besoins d'électricité, par exemple, et de chaleur et de refroidissement d'une enceinte sportive. Ici, c'est 80% de la consommation qui peut être couverte par cette production, et c'est la totalité du chauffage et de la climatisation des bâtiments. Donc, un exemple à suivre, un exemple à portée de main, et j'espère que cet exemple sera demain partout déployé en France, parce que c'est la politique que nous menons avec le gouvernement.